Oh! Oh shit! Ça fait un petit pet de sauce. Ça fait un petit pet de sauce pour commencer la vidéo. Ouais. Qu'est-ce que tu disais, Fred, avec la lettre à Wanda? Ouais, non, mais c'est à cause de. Ben, le monde ne sont pas dans le contexte de parler de show d'Alexandre Borgen. Ben là, ils sont! Ouais, ben, fait que dans le fond. Hé, Chris, mon gars! Mais tu dis qu'il y a un nouveau show. Ouais. Ma soeur, elle est allée voir il n'y a pas si longtemps que ça. Pas si longtemps, là, combien de temps? Ben, ça doit pas faire un an. Ça fait pas un an certain. Ok. Genre. Ben, je dis ça, mais. Mais c'est parce que moi j'ai jamais vu un astuce show de lui, fait que je m'en calisse. Non, mais c'est qu'il faisait encore la petite lettre à Wendy. Mais c'est ça, de quoi tu parles avec ta lettre à Wendy? Ouais, t'as jamais vu! Non, on a jamais vu la lettre à Wendy. Il a passé genre trois fois juste pour rire à l'affaire sur la petite lettre. Ben go! Ben juste pour rire, c'est vendu. Fait que je l'écoute pas. Juste pour rire, c'est pas. Ouais, explique. Mais tu sais, c'est genre. Dans le fond. Ah! Dans le temps qu'il. Qu'il était avec. Billy Tellier, sûrement, en colocation, genre. Ouais, ouais. Je sais pas trop, en tout cas, parce que dans sa lettre, il parle de lui pis son coloc. Tu sais, il a envoyé une lettre à Vision Mondiale, genre. Hey, tabarnak de BS, c'est-tu. Il parlait d'un enfant à Vision Mondiale, ouais, pis il avait pas de dire. On a eu un dégât d'eau, il y avait de l'eau partout. Personne n'aurait eu jamais assez soif pour boire cette eau-là, pis blablabla. Hey, c'est du vieux, ça. Il avait fait cette blague-là dans coloc.tv, moi. Mais tu sais, ça fait. Ça, c'est-tu. Nav scanner man! C'est bon, on prend son calme, Mathieu, on prend sur toi. Tout va bien. Parce que moi je l'aime bien là, bon. Calmement. Je l'ai écouté à la radio l'an passé pas mal. Là. Je l'écoutais pas mal de temps. Là, c'est quoi là, il faisait des coups de téléphone, des enfants dans mon monde. Oh, c'était drôle. Puis ouais, il était tristement drôle. Mais moi, genre, ma soeur à moitié que. Tu sais, parce qu'elle travaille à Tennis Canada, là, lui, c'est un ancien joueur de tennis, ben il joue encore. Mais tu sais. Lui, ça? Ouais, il voulait devenir professionnel. Il voulait devenir sportif. Ah, il l'a dit à Fan Club aujourd'hui. Ouais, il pensait à Fan Club. En tout cas, genre, pis c'est ça, ma soeur m'a dit qu'il était vraiment pas smart dans la vie. Il était vraiment airbite, là, quand. Qui parle avec elle, là, elle, tu sais. C'est parce que. Elle, Fred, est comme. Quand que tu fais du sport, c'est un autre contexte complètement. Non, non, mais tu sais, mettons, elle dit qu'il n'y a pas de court de lead. Ou c'est ta soeur, en fait, elle commence à. Non, non, elle travaille là, elle, c'est elle qui s'occupe, là, mettons, tu veux un court, ben elle dit où aller, c'est quel qui est disponible. Okay, okay. Il n'y en avait pas de disponible. Puis quand elle commençait à chialer, je viens tout le temps ici, blablabla. Puis il voulait un terrain à m'emmener, genre. Comme sa bouette là, comme dans le sable là, dehors. Ouais, ouais. Puis genre, elle a dit c'est plus cher pour jouer là-dessus. Puis il était là, c'est pas plus cher, puis blablabla, il commençait à le dire, Chris, elle a connu sa job là, tu sais. Ouais, mais tu sais, je veux dire, tu sais, même moi, ben. T'es un scanner! Tu sais, même ma nous autres, là, on est des gars drôles, dans ma vie, mais tu sais. Ça arrive là, nous autres tout là quand. Ouais, c'est arrive ça. De quoi, là, quand ouais, ouais, non, mais elle travaille là toutes les semaines, elle le voyait souvent là, pour qu'elle commence à dire qu'il était baveux, là, il a vraiment fallu qu'il fasse de quoi. Puis tu sais, il me semble, quand t'es une personnalité publique, tu t'arranges pour être souriant avec le monde puis pas être baveux, là, justement, là, je sais pas, là. C'est la moindre des choses, là. T'essayes-tu de nous décrinquer à aller voir Alexandre Barrette ou non? Non, mais rien que ça, parce moi, je l'aime, ok, je l'appelle live, là. Moi je le trouve bien drôle, mais ça a l'air qu'il est pas nécessairement hot dans la vie. Salut Barrette. J'étais avec Merm pis un gars qui t'aime pas ben ben. Ouais. Non, non, il dit oh ouais Merm pis le gars qui m'aime pas ben ben. C'est parce que genre je dis ça à cause que genre il a appelé. Ok, il a appelé. Qu'est-ce que ça fait? Je sais pas que ça fait. Fred, veux-tu jouer? Ça fait un bout que t'as pas joué. Mais qui c'est qui a appelé Alexandre Barrette? Appelez Alexandre Barrette. Appelez Alexandre Barrette. Chris m'a appelé Alexandre Barrette. Tu vas appeler Alexandre Barrette. Ah, ça a l'air que tu parles déjà à quelqu'un d'autre, ça Alexandre. C'est donc ben drôle. Ouais. Salut Alexandre, t'es dans le cadre d'une émission web qui s'appelle PGM Play. On joue à un jeu des Simpsons présentement. Ouais, ça. Surtout, on aurait appelé Alexandre Barrette. T'es super crédible, surtout qu'on le connaît fuck all. Ouais, c'est ça. Numéro, super crédible. Ben, moi, j'ai lancé ça. Ouais, c'est ça. Non, ça aurait été pissant hein, qui répond. Ouais. J'aurais fait Ouais, c'est ça. On aurait fait en encrier, ça. Demande à Siri, c'est quoi le numéro Alexandre Barrette? Ouais, pas le fun. Siri, quel est le numéro de téléphone à Alexandre Barrette? Le numéro de téléphone de
Alexandra Grenier et le 4-1-8-3-3-3. Ça, c'est mon ami, ok? Ça, c'est mon ami! Ah, oh, ça prend un char fucké, man. Ouais, je pense que... Ouais, ça prend du... Non, non, mais ça prend le char à Kearney. Ça prend du money, on l'a déjà acheté. Ok, ok, cool. C'est char à Kearney. Cool. Cool, man! Cool, dans le dash, avec un... Voyons, tabarnak. Avec un... Ah, c'est... Bon ben, Alexandre Morette, si tu nous écoutes, ben salut mon gars, pis Je pense que cet épisode-là va s'appeler Alexandre Morette. Ouais. Ça va être pas mal ça. Ouais, pis là, ben, il y a full le monde qui va le regarder, rien que parce que, genre, il y a son monde. Ouais, c'est comme l'épisode 2, c'était, je l'ai appelé Nature Olympique à cause de mon maudit lapsus, pis c'est quasiment la vidéo d'Etenron qui était plus vue. Ouais. Ouais, parce qu'il y a Olympique dedans. Ah, ben oui. Tu me disais qu'il y avait du monde en Russie et en Chine qui avait checké. Ouais, ouais, ouais. Ben, j'ai checké sa petite map, sa démographie. C'est flatteur. C'est probablement foncé, mais il y a du monde pareil qui. Ils ont vu. Oh, PGM Play! Ils ont vu PGM Play, la face d'Homer Simpson, pis ils se sont dit, oh, ben oui, ça rapporte aux Olympiques. Ah oui, America, Papa Americano. Papa Americano. J'espère que je ne suis pas dans ça. Attention! Ah! Ouais, ouais, finalement, Fred, je pense que t'as bien raison. Hein. De quoi? T'as un bout, c'est sorti. Hein. De quoi? Son show? Ouais. Ah, Carlis. Ouais, ouais, mais là, si on faut avoir un show que ça fait 3 ans que ça t'offre, même, on va voir quelqu'un d'autre. Ouais, mais ça, je veux dire, c'est comme t'as dit, on l'a jamais vu pareil. Ouais, mais tu sais, on pourrait aller voir Alexandre Morette dans 5 ans. Dans 5 ans? Ou ben donc, t'attends que son DVD sorte pis tu payes pour aller voir quelqu'un d'autre. Tu sais, parce que son DVD va sortir dans pas long, là, si ça fait 3 ans qu'il existe. Mais ça serait drôle, là, virer une brosse avec Alexandre Morette. Ben ouais, c'est on sûr. On le pogne pis là, hey Alexandre, on va au bar, on t'invite, on te paye une bière pis tout. J'avais lu, des fois j'ai dit de me faire une traque défoncée. Ah bah non, qu'est-ce que c'est? Mais what the fuck? Ça me paraît facile que l'autre chose. Non, c'est crissement tough, pis je me rappelle, j'ai eu crissement de la misère. Parce qu'ils sont pas aux bonnes places. Ouais, non. Ils font faire des astuces zigzags. Moi, je trouve que t'as bien performé jusqu'à maintenant. Ouais. Pis là, il faut pas trop que je pogne, tu sais, d'affaires sur mon chemin. Ouais, c'est ça, parce que les tendrons tantôt, ça a pas aidé. Ouais, tu l'as, man. Ah! C'est pas grave, t'as pas bumpé personne. Good shot, man! Ça, là, c'est crissement fort qu'ils ont réussi à s'en reprendre par leur culon, genre, pis qu'on perd pas de seconde. Ouais, genre, ça... ben, tu sais, j'ai vu que je m'en allais pas du bon bord, fait que c'est j'ai reviré de joystick. Ça... Oh, tabarnak! Décolliste! Décolliste! Ça a l'air d'aller se gainer comme ça. Décolliste! On fait-tu un hit avec ça? Ben oui. On passe à la radio. Ça serait quasiment, c'est quasiment ça qui passe à la radio en ce moment. Là. 2-3 mots répétés pendant 3 minutes. Avec un petit beat simili catchy. Ouais, la toune la plus dégueulasse, là, c'est genre. Pom, 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 pom. Ouais. Ouais, c'est ça, faut pas assez bon pour le faire. Ouais, c'était tough, pareil. Gros beatbox 101. Oh yeah! Oh! You fucked it up! Je sais, j'étais bon en. Un pénis! En beatbox! En beatbox comme Aaron. Ouais. Comme Aaron. Ouais. C'est tout à lui, je pensais. C'est là de parler du beatbox. Ouais. Ça prend de la pratique, là. Mm. Ouais, mais lui, dis-toi, il a jamais été plus loin que le high school. Ça, il a fin vingtaine. Fait que, dis-toi, ouais, c'est il, ça. Il a eu le temps en masse de ses journées à gagner et à pratiquer ouais. Ça. À travail. Where is mom? She's at work. Oh, okay. That's great. Oh, the call. Ça, c'était comme une conversation de petit cartoon. Oh. Genre de petite mission de marionnette pour enfants. Là. Where's mom? She's at work. Oh, great. Okay. You want an apple?
genre Homestar Runner. You want an apple? Bon. God damn. Virginie arrive pour gâcher cette vidéo. Fallait bien qu'elle vienne mettre son petit grain de sel. Son petit grain de poivre et tout, je pense. Ouais. Yo. Ben yo. Ah, tu calais. Ah ouais. Ah, sti. 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 Oh, ok. Sti. Tu le mets. Ça va. Fonce. Ça va. Pas. Mais là, tu vas l'avoir un big. Ouais. T'es en meilleure posture que l'autre. T'es beaucoup de les policiers. Bien négocié. Aïe! Wow! Oh! Hey! Hey! Verge! Ça fait mal! Vite, Federal Cherry! Vite, 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 vite! Même moi, tout, je t'aime, Verge. Big love! Vite, 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 à l'affaire crusty. Je pense que tu t'es encore plus vite. Pas par le même. Non, 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 non. Continue, clenche, 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 clenche. Clenche, mon gars. Parce que sinon, tu vas pas rien voir. Pis on va être pris, non. Wow, ouais, c'est good, c'est good, oui. C'est good. C'est great. Ben oui, ben oui. C'est great. Go, Fred, lâche pas. J'ai. Tu. Non! 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 Ouais. Oh, pénis, hostie. Calice de coq de merde. Du coup, ben, j'aurais pas eu plus, là, dans le fond. Demain, c'est PGM Play, d'autres fantastiques choses. Aux aventures de manger mon dick. Hey! Manger mon dick.